Bonjour les amis, je m'appelle Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. En ce jour du mois de juillet 2021, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. À travers les 15 vidéos que je vous réserve sur Jeff Bezos, vous aurez des contenus plus élargis sur le sujet. Au lieu de vous contenter d'informations singulières que vous font ingurgiter d'autres prospecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, information singulière? L'information singulière, c'est une information unique qui vient d'une seule source, qu'elle soit article ou qu'elle soit vidéo. Donc, vous allez la regarder, écouter ce qu'on vous dit, ou bien vous allez la lire. Et puis, basta. C'est-à-dire, ça vous suffit. En vérité, ça ne vous suffit pas. Parce que l'information n'est pas complète, puisqu'elle vient d'une seule source. Voilà. Moins que vous receviez, c'est pas moi, une encyclopédie, vous n'aurez pas tout sur Jeff Bezos. Je continue. Grâce à son système d'information plurielle, c'est hashtag partage qui va rechercher tous les sujets qui vous intéressent. Qu'est-ce que ça veut dire, information plurielle? Information plurielle, c'est des informations qui viennent de différentes sources. Il y a énormément de sources, ce qui veut dire que chaque source va s'attaquer à un aspect du sujet, et la totalité, ça va vous faire quand même assez de sujets qui sont complémentaires, peut-être même contradictoires, dans certains cas, et qui va quand même vous donner une idée beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde sur le sujet. Vous avez compris. Voilà. Donc moi, je fais de l'information plurielle, alors que les autres, tous les autres, ils font de l'information singulière. On va commencer par le classement des 20, top 20 des gens les plus riches au monde. Bien entendu, Jeff Bezos, en milliards de dollars, 177 milliards. Bien entendu, c'est Amazon et c'est aux États-Unis. Elon Musk, 151, Tesla, États-Unis. Bernard Arnault, 150, LVMH, France. Bill Gates, 124, Microsoft, États-Unis. Mark Zuckerberg, Facebook, 97, États-Unis. Warren Buffett, 96, États-Unis. Larry Ellison, 93, Oracle, États-Unis. Larry Page, 91, Google, États-Unis. Sergey Brin, 89, Google, États-Unis. Mukesh Ambani, 84, Inde. Amancio Ortega, 77, Zara, Espagne. Françoise Bettencourt-Meyers, 73, L'Oréal, France. Zhong Shanshan, 68. Nong Bushping, Chine. Steve Ballmer, 68, Microsoft, États-Unis. Ma Wong Teng, 65, Tencent, Chine. Carlos Slim, 62, Telecom, Mexique. Alice Walton, 61, Walmart, États-Unis. Jim Walton, 60, Walmart, États-Unis. Robson Walton, 59, Walmart, États-Unis. Et le 20e, Michael Bloomberg, 59, Bloomberg LP, États-Unis. Voilà. Bien entendu, remarquez qu'il y a beaucoup de gens riches qui viennent des États-Unis. Et on va voir avec une infographie comment les riches de chaque pays occupent le terrain sur les 20 sélectionnés. On passe. Alors, sur les 20, ils sont tous là.
Alors, si on les regroupe par pays, tous les Américains, ils ont quand même en milliards de dollars 2897,82. C'est les États-Unis, c'est tout ce bleu-là. Ils bouffent presque tous les autres. La France arrive en deuxième place avec 223,6. La Chine, 134,7. L'Inde, 84,5. L'Espagne, 77. Et le Mexique, 62,8. C'est ce rouge-là. Vous voyez que les Américains sont dominants à plus de 3 quarts. Ben, il doit y avoir quand même quelque chose comme 70% des plus riches au monde, ils sont américains. Ce qui fait leur force. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça, c'est un PDF que vous allez, bien entendu, cliquer dessus dans la description. Le PDF présent vous invite à cliquer sur la miniature qui vous parle pour en découvrir le contenu. Vous cliquez ici et vous avez des informations. Je m'excuse, je ne peux pas malheureusement appuyer sur les vidéos pour les sortir parce qu'il y a là-dedans de la musique et la musique malheureusement est tout en l'air des démonstrations. Il y a toujours YouTube qui réclame est-ce que vous êtes propriétaire de la musique ou pas. Donc il y a des risques à courir. Donc j'en ai 6 ici et puis là j'en ai 9, ce qui veut dire en total j'ai 15 contenus différents. Ok, chaque contenu parle d'un truc différent. Par exemple ici, la vérité sur la création de Amazon, le milliardaire américain Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon, Amazon, Tesla, Bezos contre Elon Musk, etc., etc. Je reviens au début. Là, Amazon, Jeff Bezos, un grand mégalomane ou visionnaire. Comment réussir sa vie, le profit ne m'intéresse pas, Jeff Bezos, etc., etc. Donc, vous allez regarder, cliquer, et vous allez être redirigé sur YouTube, et vous allez regarder toutes ces vidéos, il n'y a aucun problème. C'est bon? Voilà. Je vous demande de liker, de commenter, de partager, et de vous abonner dans le cas où vous êtes pas encore. Merci et à demain.